Là, avec un nouveau jeu qui sort comme ça, c'est entre 7h et 10h par jour. Là, je sais que tout mon mois de juin, ça va être rempli à ça. J'ai mon anniversaire à fêter et je crois que ça va être dans Street Fighter 6. J'ai rien prévu. Il faut entraîner son personnage, choisir un personnage et apprendre à jouer contre tous les autres. C'est ce qu'on appelle des match-up. Et c'est pour ça que c'est mieux de rester sur un seul perso plutôt que de prendre tout le monde et de diviser son expérience et son temps de jeu. Et il faut perfectionner ses combos, connaître chacun des coups normaux aussi de son personnage. Avant même de sauter, il faut déjà rester au sol et maîtriser les distances. Et ensuite, maîtriser les coups spéciaux, les combos. Et une fois qu'on sait les faire en practice mode, donc en mode d'entraînement, il faut pouvoir les faire en plein match. C'est vachement plus dur parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Il faut tout optimiser tout le temps. C'est beaucoup de prise de décision, un jeu de combat. Ça fait ressortir plein de défauts, mais aussi plein de qualités. Je pense que c'est parfait pour apprendre à connaître les gens aussi.